Bien. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de notre mission d'évaluation du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une mission d'information sur la lutte contre la délinquance financière et plus précisément les moyens que met en œuvre l'État dans cette lutte contre la délinquance financière. Donc, mon collègue Jacques Maire et moi-même sommes chargés de cette mission qui a été faite à la demande de mon groupe parlementaire, celui de la France Insoumise. On a commencé nos travaux donc début octobre, où on a rencontré à la fois des associations, des ONG, vos collègues aussi, par exemple, du Monde, qui ont pu mener un certain nombre d'enquêtes, et évidemment tous les institutionnels qui mènent cette lutte, donc les policiers, les gendarmes, le parquet national financier, le service des douanes judiciaires, bon, les autorités de contrôle, la Fédération bancaire française, et tout un tas d'acteurs. Donc, dans cette logique, il nous a semblé intéressant de pouvoir vous écouter et vous auditionner, puisque avec donc première ligne télévision dont vous êtes, et puis évidemment les magazines Cash Investigation, vous avez pu vous-même contribuer à rendre public un certain nombre d'éléments qui concourent à lutter contre la délinquance financière, certaines formes de délinquance financière. L'idée étant pour nous de voir, on vous a transmis quelques questions qui pouvaient conduire cet échange. Évidemment, prendre un échange de questions-réponses en fonction de ce que vous nous apportez comme élément. L'idée étant d'avoir des débats autour de trois thèmes. D'abord, les techniques utilisées par vous-même pour obtenir et vérifier les informations qui constituent la matière première de votre travail. La protection de vos sources, et prioritairement les lanceurs d'alerte. Quel regard vous portez là-dessus ? Et puis, donc les dossiers sur lesquels vous souhaitez appeler l'attention des autorités, où vous avez l'impression que vous avez pu communiquer sur des éléments et qui aujourd'hui n'avancent pas ou n'aboutissent pas. Et puis, votre rôle de relais de la population à la lumière des témoignages que vous avez recueillis après la diffusion de vos reportages. Donc, je vais vous laisser la parole après que Jacques, si tu souhaites dire un petit mot, on attaque tout de suite. Donc, je vous cède la parole. Mesdames, Messieurs les rapporteurs, nous vous remercions pour cette invitation à venir nous exprimer devant vous sur ce sujet d'intérêt public. Pour commencer cette audition, je souhaiterais nous présenter brièvement. À ma droite, vous avez donc deux personnes à ma droite, mais le plus à ma droite, Édouard Perrin, qui a révélé le scandale des LuxLeaks, donc ces rescrits fiscaux signés par les entreprises avec les autorités luxembourgeoises. C'est lui le premier qui a été approché par Antoine Deltour, puis par Raphaël Allais, les deux lanceurs d'alerte de l'affaire. Édouard a aussi enquêté sur l'affaire HSBC et les Paradise Papers plus récemment. Benoît Bringer, qui est à ma droite, lui a travaillé sur les Panama Papers. Il a réalisé pour Cash Investigation deux documentaires sur ce dossier, l'un au moment du scandale et de sa révélation, et le deuxième, un an après, au titre d'un droit de suite, donc sur les Panama Papers. Il vient par ailleurs de réaliser pour une autre chaîne, France 5, un documentaire sur la crise financière de 2008. Bon, quant à moi, je suis le rédacteur en chef de l'émission Cash Investigation, donc je ne suis pas le plus spécialiste des trois dans ce dossier. Depuis que l'émission existe, c'est important de le rappeler, nous avons fait le pari de mettre au jour les dysfonctionnements de l'économie et d'expliquer au grand public des mécanismes qui sont complexes et qui sont souvent cachés. Notre but, ce n'est pas de faire du name and shame, hein, pardon pour l'anglicisme, hein, ce n'est pas de livrer à la vindicte générale tel responsable ou telle entreprise, mais au travers d'exemples concrets, de montrer les failles ou les dérives d'un système. Et chaque fois que nous nous emparons d'une enquête, nous nous posons cette question, s'agit-il d'un sujet d'intérêt général ? En quoi les dérives, les fraudes présumées qui sont portées à notre connaissance et sur lesquelles nous enquêtons sont le fait d'individus ou plus largement symptomatiques d'un système qui dysfonctionne ? Voilà, c'est important de le dire, cette grille d'analyse, elle guide notre travail. Pour le dire autrement, ce n'est pas le caractère systémique d'une affaire qui nous décide à lancer un travail d'investigation. Nous travaillons... Pour France 2, c'est un média grand public. On ne peut pas, comme nos confrères du Monde, aller dans le détail de tout un dossier
Et donc, nous, on va être obligés de se concentrer sur un certain nombre d'histoires qui, de notre point de vue, sont révélatrices de l'enquête qu'on mène. Bon, j'en viens maintenant au sujet qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Parmi les sujets que nous traitons, ceux qui décortiquent les mécanismes de la fraude, de l'optimisation, de l'évasion fiscale, intéressent particulièrement nos concitoyens. L'audience qui est une des mesures de cet intérêt en témoigne. Lors des révélations des Panama Papers, nous avons été surpris, peut-être naïvement d'ailleurs, hein, de constater à quel point ce sujet avait passionné nos concitoyens. Nous n'étions pas les seuls à le traiter. Il y avait beaucoup de médias dans le monde, il y avait nos confrères du Monde aussi. Mais voilà, on a été surpris de l'écho, particulièrement, que cette émission a eu dans le grand public. Et ça venait effectivement appuyer ce que nous, on pense, c'est que ces sujets sont un enjeu fondamental pour nos démocraties, car ils interrogent sur l'égalité des citoyens devant l'impôt. La crise politique que nous vivons, depuis le mois de novembre, montre combien la question de la justice fiscale et son corollaire, hein, le consentement de l'impôt, sont au cœur des préoccupations des Français. Pour en venir maintenant aux enquêtes, pour mener ces enquêtes, nous bénéficions de trois atouts, parce qu'on s'attaque à des dossiers qui sont vertigineux, hein, que ce soit les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers, compte tenu de la profusion des informations. On a, nous, trois atouts. Le premier, c'est la confiance d'une grande chaîne publique, France 2. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait voir ces sujets-là sur des chaînes privées. Deuxième atout, le temps pour réaliser ces enquêtes. En moyenne, chaque enquête s'étale sur un an. Je pense que c'est un luxe aujourd'hui inouï que nous envient nos confrères, et nous sommes très conscients de la chance qu'on a. Parce que ce temps, il nous permet plusieurs choses. Il nous permet d'étayer chaque piste que nous développons, de passer au crible du contradictoire, c'est très important, les documents auxquels nous avons accès et les témoignages que nous recueillons. On ne prend jamais, mais ça, c'est la base du métier de journaliste, pour argent comptant, le témoignage d'un lanceur d'alerte, aussi crédible paraît-il au premier abord. Enfin, dernier atout et non des moindres, la participation à l'ICIJ, donc le consortium international des journalistes d'investigation, hein, on ne le présente plus, mais aussi à l'IIC, qui est une autre structure de journalisme collaboratif. Cette mise en commun de nos informations est une condition essentielle de la réussite de ces enquêtes, de par leur ampleur. Et puis parce qu'il faut savoir, on ne dispose pas de moyens pléthoriques. En général, un seul journaliste travaille à plein temps sur un documentaire et il est épaulé par un enquêteur qui, lui, vient en soutien d'autres journalistes et d'autres enquêtes. Donc ce ne sont pas de gros moyens. Il y a évidemment très grande volonté de bien faire et une grosse capacité de travail des confrères qui travaillent dans l'équipe. Mais ce sont des moyens qui sont réduits. Scandale après scandale, pour en terminer, les Français peuvent avoir le sentiment que rien ne change, que les États sont désarmés face à l'ingéniosité des montages fiscaux qu'on tente de démonter. Et on ne peut pas totalement leur donner tort, parce que, certes, sous l'impulsion des gouvernements et d'organismes comme l'OCDE, les règles du jeu changent. Les mesures les plus emblématiques, bon, vous les connaissez tous, c'est évidemment la fin du règlement CARE en Suisse, l'échange automatique d'informations, l'instauration d'une liste des pays non coopératifs. En France, le parquet national financier. Mais, et je voudrais en terminer par ça, dans certaines affaires, on peut s'interroger sur la réelle volonté politique et judiciaire. Et pour cela, je ne vais vous citer qu'un exemple qui est tiré d'une de nos dernières enquêtes sur le luxe. Le 1er janvier 2018, avec nos confrères de Mediapart, nous avons reçu un mail, enfin c'est Édouard Perrin qui a reçu un mail d'un lanceur d'alerte qui souhaitait rester anonyme. Et c'est une autre journaliste de l'équipe, Zoé de Bussière, qui l'a rencontré, ce lanceur d'alerte. Il voulait porter à la connaissance du grand public les étranges pratiques fiscales d'un fleuron du luxe français, le groupe Kering. En enquêtant avec nos confrères de Mediapart, nous avons découvert que le groupe Kering avait signé un rescrit fiscal avec le canton du Tessin. Je ne sais pas si vous êtes au fait de cette affaire, je vais la rappeler en quelques mots. Dans ce canton était installée l'une des filiales de l'entreprise française, la société LGI. Elle employait 600 salariés et contrôlait plusieurs entrepôts. Dans ces entrepôts transitait l'intégralité des produits des marques de luxe du groupe, Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, et j'en passe. Et nous avons pu démontrer que LGI était une société logistique qui concentrait 70% des profits du groupe
profit qui n'était taxé qu'à 8%. Kering nous a affirmé qu'il était très tranquille sur la régularité de ses opérations, des opérations de sa filiale suisse, LGI. Mais selon notre confrère Yann Philippin de Mediapart, parce que c'est lui qui a fait les calculs, grâce à ce montage, le groupe Kering aurait économisé plus de 2 milliards d'euros d'impôts, dont au moins 180 millions en France. Ces chiffres, par leur dimension, interpellent. La justice italienne considère que ce montage est artificiel. La justice italienne s'est penchée sur le dossier. En France, la justice française n'a pas ouvert d'enquête. Et je trouve que ça pose beaucoup de questions. Voilà, je vais laisser la parole à Benoît Bringer, donc, qui a travaillé beaucoup sur les Panama Papers. Je vous remercie. Merci. Je vais continuer un peu dans la même lignée. Merci évidemment pour votre invitation. Et puis, évidemment, on salue le fait qu'il y ait une mission d'évaluation sur ce sujet qui est sensible pour notre démocratie. Et on est ravis de s'exprimer justement. Et je voulais profiter de cette occasion, moi, pour, de manière assez simple, donner m'exprimer en donnant poussant un certain cri d'alarme, une alerte, et remonter l'indignation qui peuvent nous remonter, justement, qui peuvent nous revenir du terrain, que ce soit de nos sources, que ce soit des concitoyens, soit des rencontres qu'on fait quand on travaille. Je prends l'exemple des Panama Papers, je le connais, c'est celui que je connais le mieux. Ça fait 3 ans qu'il y a eu ce scandale des Panama Papers. Si je fais un petit point factuel, vous avez dû en avoir un avec Madame Eliane Houlette du Parquet National Financier. 26 dossiers ouverts par le PNF, Parquet National Financier. 2 plaidés coupables, donc ces fameuses reconnaissances de culpabilité préalables. Et 22 dossiers, 22 enquêtes encore en cours. 2 plaidés coupables. Un seul a été révélé au public, le nom de cette personne, je l'ai révélé moi-même. C'était Gérard Otajon. C'est-à-dire que si, pour l'immense majorité des gens qui ont suivi cette affaire, qui a quand même occupé la presse pendant une semaine, et même plus, hein, qui a eu des réactions politiques très importantes, il ne s'est rien passé en termes judiciaires. Et je pense que le message, il est très clair. Le message, c'est qu'encore une fois, pour les plus puissants, les mauvaises conduites n'ont pas de conséquences. Alors, ça peut paraître un peu simple, mais moi, je ne donnerai pas tort à ceux qui pensent ça. Je pense que, et je vais vous expliquer un peu pourquoi après, mais je pense que, voilà, la seule condamnation, c'était Gérard Otajon, un industriel de la Drôme, qui avait quand même planqué plus de 20 millions d'euros à l'étranger. Il a pris 1 an avec sursis et 2 millions d'euros d'amende. C'est bien. La deuxième, je ne la connais pas. Elle n'a pas été révélée. Je pense que c'est dommageable, parce que je pense que les citoyens devraient savoir les conséquences judiciaires. Parce que forcément, ça entretient ce sentiment d'impunité, ça entretient ce sentiment de justice à 2 vitesses, cette justice de classe. Et évidemment, ça nous explose aujourd'hui au visage avec les gilets jaunes. On aurait dû évidemment s'en apercevoir avant. La question qui se pose, et je pense pour de nombreux citoyens, c'est combien de scandales, combien d'affaires, combien de crises démocratiques comme celles qu'on connaît aujourd'hui, pour qu'il y ait enfin une prise de conscience des pouvoirs publics et qu'elles tirent vraiment pleinement les conséquences en cette matière qui est la délinquance financière. Les remontées qu'on a du terrain, elles sont très fortes. C'est toujours pareil, de toute façon. Vous avez révélé ce scandale. C'est le même cycle. Il y a une vague d'indignation des gens dans la rue. Il y a des réactions politiques très fermes. Des ministres qui viennent sur nos plateaux alors qu'ils avaient refusé une semaine avant de venir. Mais l'émotion dans l'opinion publique est telle qu'ils se retrouvent obligés. Et puis après, rien ne se passe. Ça, c'est le sentiment. C'est des éléments qui nous sont remontés. Et je pense qu'ils n'ont pas totalement tort. Et alors, comment expliquer cette absence de résultats? Parce que je ne dis pas qu'il n'y a personne qui travaille. Le Parquet national financier, ce sont des gens qui ont, à mon avis, une vraie conception de la lutte contre les délinquances financières, qui savent qu'il
Il faut s'attaquer à cette délinquance-là parce qu'elle pose un vrai problème de déséquilibre démocratique si on ne s'y attaque pas. Seulement, je pense qu'on paye le prix qu'on paye les conséquences d'une absence de prise de conscience de l'importance de cette délinquance et de cette criminalité au cours des dernières décennies. C'est formidable qu'on ait le parquet national financier, mais d'abord, il est tout neuf. Et surtout, je ne sais pas ce qui vous a été dit par Madame Hélène Houlette, puisque c'était à huis clos, mais il n'est pas assez armé. Je pense que, en ce qui concerne les forces d'enquête, que sont l'OCLIF, donc l'Office central de lutte contre les infractions fiscales et financières, que ce soit les douanes qui les aident, face au nombre d'affaires et face à la complexité des affaires, il est évident qu'ils ne peuvent pas tout assumer aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent quand on les rencontre, c'est ce qu'on voit avec le peu d'affaires qui avancent. J'imagine que quand l'affaire Fillon débarque au milieu d'une campagne présidentielle, les autres affaires, à mon avis, je ne vois pas comment ils peuvent les traiter. Ils n'ont pas suffisamment d'enquêteurs, pas suffisamment de moyens, donc ils jonglent. Je ne sais pas si vous l'ont dit avec autant d'honnêteté, mais en tout cas, c'est ce qui m'est rapporté. Ils jonglent avec les douanes, ils jonglent avec des agents de l'OCLIF qui font, à mon avis, très très bien leur boulot, mais qui ont du mal à tout assumer. Et je voudrais faire une comparaison, alors comparaison n'est pas raison, mais une comparaison avec le système judiciaire américain, qui ont évidemment des services d'enquête sur ce sujet de la délinquance financière, de la criminalité en col blanc, qui ont des services d'enquête très importants, qui ont beaucoup de moyens, qui font des infiltrations, qui font des écoutes, qui font des paiements d'indics, qui traitent la criminalité financière comme ils traitent le grand banditisme, la délinquance de drogue, le trafic de drogue, etc. Et puis, ils ont effectivement cette extraterritorialité dans leurs droits qui leur permet d'aller, d'avoir une puissance très forte. Alors, on accuse, on dit que c'est une arme économique. C'est certainement possible. Hein. On le voit peut-être avec Alstom, etc. On en reparle ces derniers jours. Mais en tout cas, ça fait peur aux fraudeurs et aux institutions qui les aident. Et ce qu'on a remarqué dans les Panama Papers, c'est que dès qu'il y avait un citoyen américain en jeu, c'est-à-dire que dès qu'un Américain allait voir Mossack Fonseca, qui était ce cabinet d'avocats panaméen qui ouvrait les sociétés offshore dans tout un certain nombre de juridictions, ou dès qu'un Américain allait voir une banque pour qu'elle lui crée un montage fiscal dans un paradis fiscal, c'était soit refusé, soit il y avait énormément de précautions qui étaient prises pour s'assurer que tout était dans la légalité. Et c'est une des seules nationalités pour qui c'était le cas, en tout cas ce qu'on a constaté, et en tout cas ce n'était pas le cas pour les Français. Évidemment parce qu'il y a une crainte juridique extrêmement forte quand il s'agit des Américains, parce qu'ils mettent vraiment le paquet sur ce sujet. Le bilan judiciaire est particulièrement maigre, je pense, 3 ans après les Panama Papers, et notamment en ce qui concerne les grandes banques françaises. C'est un des maillons indispensables, hein, les banques, hein, dans une fraude financière, parce qu'au bout d'un moment, il faut cacher l'argent, il faut bien le mettre quelque part, et on le met sur un compte en banque. Donc, il y a eu des complicités de certaines banques, évidemment. Une des banques qui a été montrée du doigt après les Panama Papers, c'est la Société Générale. Question qui peut se poser, c'est comment expliquer que des grandes banques françaises, comme la Société Générale, comme d'autres, vont plaider coupables dans d'autres pays comme les États-Unis, vont être poursuivies, vont payer des amendes, hein, c'est le cas, notamment pour une des filiales de la Société Générale en Suisse, pour blanchiment, et comment ça se fait qu'elles n'aient jamais été inquiétées dans leur pays d'origine. Et on ne peut pas ignorer aujourd'hui les accusations de complicité entre les banques, entre le monde de l'argent, et les dirigeants politiques. Et ces accusations, qu'elles soient réelles ou pas, participent à la montée des extrêmes et du populisme. Je voulais vous citer une anecdote à propos de la Société Générale. Au lendemain des Panama Papers, le directeur général de la Société Générale, Frédéric Oudéa, a été interrogé par vos collègues sénateurs.
Il a réitéré des propos qu'il avait déjà tenus auparavant lors d'une commission d'enquête et qui étaient contredits par les éléments que nous avions dans les Panama Papers. C'est-à-dire qu'en 2012, il disait qu'il n'y avait plus aucune activité de la Société Générale dans les paradis fiscaux. Il le faisait sous serment. Il a à nouveau répété, après les révélations, ces mêmes propos qui pourtant étaient contredits par nos éléments. Donc il y avait des éléments factuels. Pourtant, aucun sénateur ne lui a apporté de contradiction solide. Une autorité judiciaire, M. Bocquet, mais elle n'était pas vraiment solide, à mon avis, même si... Non, mais parce que ce sont des sujets complexes qu'il faut maîtriser et il faut du temps pour les apprendre. Une autorité judiciaire aurait pu conclure que ce dirigeant d'une grande banque a menti sous serment, et pourtant, il n'a pas été poursuivi parce que le Sénat a décidé de ne pas poursuivre. Et je pense qu'à nouveau, il est important de souligner le contraste avec les commissions d'enquête qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Et notamment, je pense à nouveau aux Américains. Ils ne sont pas parfaits, évidemment. Mais en tout cas, je vous invite à regarder les commissions d'enquête qu'ils ont pu mener sur UBS, par exemple, pour des questions de fraude fiscale également. Et il y a une technicité des sénateurs, des représentants, qui ont certainement beaucoup d'équipes pour les travailler. On parle encore de moyens. Mais c'est un peu le nerf de la guerre dans ce domaine, à mon avis. Ils ont une connaissance des mécanismes de fraude, ils ont une pugnacité, ils ont un souci de la contradiction publique. C'est toujours enregistré, c'est toujours public, parce qu'ils représentent le peuple, hein, et ils sont dans cette mission-là, et je pense que c'est extrêmement important. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé dans les commissions d'enquête qu'il y a eu sur notamment au lendemain des Panama Papers. Voilà, donc je voulais signaler, avec évidemment tout le respect que j'ai pour votre travail et pour ce que vous faites aujourd'hui, vous avez auditionné Madame Ouellette à huis clos, c'est peut-être à sa demande. Je comprends les questions de confidentialité, mais je pense que ce serait important que ce genre de débat et de discussion soit public, parce que je pense que c'est important que les citoyens n'aient pas l'impression d'être éloignés de ces sujets, qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui sont faites parce qu'ils ont l'impression que rien ne se passe. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et qui comprennent que comment fonctionne l'action publique contre la fraude financière. Voilà. Sinon, je pense que ce sentiment d'impunité continuera avec les mêmes conséquences que l'on a aujourd'hui. Voilà. Et je voulais juste signaler pour conclure que mon opinion est donc que pour lutter contre ces phénomènes de criminalité financière et notamment de la criminalité donc des plus puissants et des plus riches, il faut de la part des autorités judiciaires et administrative et politique, un travail, une connaissance considérable qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de moyens financiers. Et pour ça, il faut évidemment une volonté politique très forte, parce qu'en face, les fraudeurs, eux, ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens juridiques, ils ont des positions de pouvoir. Et évidemment, c'est toute la difficulté de cette matière. Voilà, merci. Je vais faire très court, comme ça on aura le temps après de répondre à vos questions. Quelques points seulement de ma part. Le premier, pour poursuivre sur le constat de manque de moyens, moi je ferai un pas de côté et je vous proposerai peut-être de parler de problèmes de posture. Je vous dis ça parce que j'ai commencé à travailler avec d'autres journalistes sur des domaines qui étaient extrêmement techniques, sur lesquels je n'avais aucune connaissance. Sur des données qui étaient d'une très grande quantité. Vous pouvez vite vous perdre. Si on n'avait pas travaillé ensemble, à presque une centaine de rédactions, à plus de 400 journalistes partout dans le monde, on n'aurait jamais fait les Panama Papers, on n'aurait jamais fait LuxLeaks, on n'aurait jamais fait les Paradise Papers. Et vous connaissez les journalistes, c'est des gens qui ont plutôt l'habitude de garder les choses par-devers soi. La faculté de travailler avec d'autres rédactions et de partager des informations était quelque chose qui était très contre nature pour la plupart d'entre nous. Et quand je vous parle de posture, c'est, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui est demandé par les enquêteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et là, je parle d'enquêteurs, hein, qu'ils soient policiers, magistrats. Mais je pense que ce serait extrêmement utile si cette posture de coopération, d'abandon du précaré, de partage des compétences et de partage surtout des informations pouvait être quelque chose qui puisse être instillé
peut-être de manière au début expérimentale, mais ensuite de permettre aux gens en fait de décloisonner et d'aller voir le voisin pour savoir comment il travaille. Là, je parle dans un premier temps des enquêteurs français, mais pourquoi pas envisager ça à l'échelle européenne aussi, puisque on se rend compte que dans ces domaines-là, je ne parle pas simplement de la délinquance, puisque là, on parle de fraude, mais il y a aussi des outils légaux qui permettent de frauder légalement. C'est ce qu'on avait vu au Luxembourg. Bon, la légalité de ces outils-là, elle est extrêmement variable. Et quand on creuse un peu, très souvent, on se rend compte que ces outils ne sont pas, enfin, dépassent le cadre de la légalité et sont d'ailleurs considérés comme des aides illégales par la Commission européenne quand elle enquête dessus. Pourquoi ne pas envisager que des enquêteurs puissent, avec une grande liberté, partager leurs informations de manière horizontale? Ça, c'était ma première remarque. Je ne vois pas comment on peut travailler sur ces sujets-là, précisément, qui sont des sujets transfrontières, avec des schémas nationaux, pour la plupart démodés, derrière des lignes Maginot qui vous empêchent de voir exactement comment travaille le voisin, quelles informations dispose le service d'à côté. Voilà. La deuxième chose que je souhaitais souligner, c'est... On va parler des sources, et moi j'écouterai vos questions, mais pour avoir révélé LuxLeaks, j'ai été poursuivi avec les deux personnes qui étaient mes sources, qui sont des lanceurs d'alerte, Antoine Deltour et Raphaël Allais. On a été poursuivi devant les tribunaux luxembourgeois. Moi, je ne réclamais pas un soutien particulier de mon pays, c'est mon travail, mais je voudrais signaler ici quand même, malgré ce qui a été écrit par ailleurs par l'ancien président de la République, François Hollande, Antoine Deltour et Raphaël Allais ont été laissés seuls et absolument sans soutien. C'est scandaleux, au vu des révélations qu'ils ont faites, au vu des masses financières qui sont en jeu de par ces révélations, et au vu surtout des changements qu'ont permis ces révélations et des évolutions positives qui ont suivi. Je crois que la protection du lanceur d'alerte et au-delà la protection des sources, si vous voulez que nous puissions continuer à faire notre travail, c'est déjà pas évident, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Il est assez cocasse de constater que au moment des révélations des Panama Papers, donc autour de 2016, sous la pression, les autorités européennes ont envisagé d'accorder un statut ou au moins un texte horizontal européen sur la protection des lanceurs d'alerte. On est en 2019. Ce texte-là, le projet de directive, risque de ne pas être adopté avant les prochaines élections européennes. On parle, les services juridiques du Conseil européen évoquent la possibilité de scinder ce texte en 5 textes différents, ce qui amoindrirait énormément sa portée et sa protection, et surtout envisage et c'est là le plus piquant, d'enlever de ce texte le champ de l'évasion fiscale. Donc voilà où on en est. Dans le même temps, les autorités européennes puis françaises ont été beaucoup plus rapides pour adopter le texte qui protège le secret des affaires et qui va poursuivre l'utilisation du secret des affaires. On a alerté à de nombreuses reprises, on a été auditionné à ce sujet, dans cette enceinte, dans d'autres enceintes. On nous a répété que nous fantasmions que le texte accordait toutes les protections possibles et imaginables, non seulement aux journalistes, mais également aux lanceurs d'alerte. Et évidemment, ce qu'on avait prévu est arrivé, puisque maintenant le texte sur le secret des affaires a été très récemment utilisé par la CADA et par un organisme français pour refuser de donner des informations à des journalistes. Donc il y a une procédure en cours. Tout ça pour vous dire que notre métier n'est pas simple, que les outils dont on dispose ne sont pas nombreux et que les menaces existent véritablement. Maintenant, moi, je suis ouvert à vos questions. Merci.
Merci pour ces éléments. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Sur les Panama Papers, je vais me faire un peu l'avocat du diable quand même, même si, bon, en théorie, je ne devrais pas, ma couleur politique, mais je vais le faire quand même pour faire avancer le débat. Sur les Panama Papers, vous avez dit 26 dossiers sont ouverts au PNF, 2 CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Voilà. Et donc, normalement, si la deuxième, enfin, vous devriez pouvoir avoir connaissance des deux, en théorie, puisque l'homologation à la fin est publique. Donc, il faut faire une demande au tribunal. Et, en théorie, on devra pouvoir avoir communication des éléments. Dites que, du coup, il y a encore 22, enfin, 24 enquêtes. Oui, oui. Ce qui est différent de la culture qu'a commencé à prendre le PNF sur les conventions judiciaires d'intérêt public, où là, ils communiquent pour le coup et qui donnent. Alors, on peut penser ce qu'on veut de la convention judiciaire d'intérêt public. Moi, j'en pense pas forcément emballé par l'idée, mais au moins, il y a une communication sur le sujet et on a des retours. Sur les autres enquêtes en cours, ce que vous contestez, c'est le fait qu'elles ne soient toujours pas terminées et qu'on n'ait pas mis les moyens dessus, que ça fait 3 ans, ou qu'il y ait si peu d'enquêtes au vu de l'ampleur de ce que vous avez pu révéler. Je vous laisse. Un petit peu, parce que beaucoup de choses ont été dites quand même, et je pense que c'est important de préciser l'intention dans cette mission pour que justement on ait le bon niveau de dialogue. Je veux dire, on est, nous et nos groupes, très motivés pour faire en sorte que la tolérance soit inexistante en matière de délinquance financière. Notre analyse depuis qu'on mène ces auditions, c'est qu'effectivement le cadre réglementaire a considérablement évolué, à la fois du point de vue des moyens, du nombre d'acteurs, des sanctions depuis quelques années. Premier sentiment, donc il y a vraiment un effort qui est fait. On voit des personnels qui sont engagés et motivés, mais qui expriment la complexité d'attirer sur ces métiers. Je dis tout ça pour engendrer des réactions de votre part, d'attirer sur ces métiers des personnels dans la durée. Et là, ça se heurte du point de vue de la spécialité, spécificité, de la complexité au principe de rotation, dans les affectations, etc. Deuxièmement, ce qu'on voit aussi, c'est effectivement la course entre le bouclier et le glaive, à savoir que le mal est de plus en plus sophistiqué, de plus en plus complexe, de plus en plus organisé, et cette course, globalement, on la mène toujours avec un temps de retard. Et donc la question de savoir comment prendre un temps d'avance est très compliquée. Dernier point peut-être, c'est... finalement, les affaires qui sortent, bien souvent, un cadre a été prévu sur le plan réglementaire, notamment en France, pour encadrer, générer, protéger les lanceurs d'alerte. Hein ? Sapin 2, c'est un cadre qui est, je dirais, qui est en exercice. S'il faut l'améliorer, c'est des choses qu'on peut regarder, même si notre priorité première, c'est de faire en sorte que les services soient plus efficaces, avant même de changer la législation. Et on voit malgré tout que ces affaires importantes qui sortent sont plutôt effectivement le fait de ces consortiums ou de ces enquêtes dont nous vous sommes très reconnaissants, à la presse en général. Donc voilà, donc, pour nous, il y a plusieurs parties prenantes. L'industrie financière que nous avons reçue juste avant vous, de façon publique, explique les moyens très importants qu'elle met dans la conformité, qui se chiffrent en milliers de personnes et en millions d'euros, donc malgré tout, le mal progresse vite. Donc, vis-à-vis de ça, effectivement, l'exemple du PNF est un très bon exemple, c'est-à-dire que Hugo dit avec précision que il y a un outil qui existait par rapport à avant, qui est là pour prendre en charge des affaires complexes, qui a besoin de temps. Ce temps, pour vous, un an d'enquête, pour non pas fournir des preuves, mais des indications de preuves, et pour eux, dans le cadre d'une procédure pénale, aller au bout d'un dossier traité de façon, je dirais, réglementairement impeccable, c'est un travail considérable. Donc, voilà. Donc, on n'est pas sur une posture de procès d'intention. On pense que les acteurs veulent bien agir, les acteurs publics veulent bien agir. On est plutôt là pour le fait de se dire, au-delà de ces remarques qui sont totalement légitimes du point de vue citoyen, comment est-ce qu'on fait pour concrètement trouver les bons angles, les bonnes idées, les trous dans la raquette et les améliorations du système. Voilà. Moi, je répondrai peut-être pour commencer, parce que c'est notamment sur les Panama Papers. Je pense que le nombre de cibles et d'enquêtes qui a été ouvert par le PNF est assez important. Je pense en revanche qu'il doit avoir beaucoup de mal à les mener tous ensemble, parce que je pense que c'est une question
de moyens humains, à mon avis. Donc, ma remarque était plutôt effectivement sur le fait d'avoir aussi peu d'avancées judiciaires en 3 ans. En tout cas, de publicité aussi sur les avancées judiciaires. Parce que pour les citoyens, il ne s'est rien passé. Effectivement, vous avez raison, ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis sûr qu'ils avancent. Puis peut-être qu'il y a des sujets qui ne méritent pas d'avoir un non-lieu, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas de publicité. On ne sait pas où ça en est. Et 3 ans, c'est quand même pas beaucoup, je pense, pour qu'il n'y ait eu aucun acte supplémentaire sur des éléments qui ont été fournis. Et pour avoir vu les cas très concrets, il y en a qui étaient quand même très avancés. C'est-à-dire que la culpabilité, à mon avis, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient fournis pour pouvoir... Certains étaient complexes et méritent du temps. Je pense notamment à ceux qui concernent les grandes banques, parce que c'est très compliqué. Mais je pense qu'il y a une question de durée. Vous savez, quand les gens voient qu'un cas comme Balkany, dont nous avons beaucoup, en tant que journaliste, vu toutes les pièces qu'il y a, et une enquête qui a été très bien faite par les services Tracfin, par les brigades financières, etc., les éléments sont tellement nombreux. Alors bon, c'est peut-être que d'ici la fin de l'année, on aura une date de procès, mais ça paraît un temps infini quand même. Je veux dire, on n'est pas sur un cas. Alors évidemment, il y a une peur, j'imagine, des services judiciaires de se dire on ne peut pas se planter sur Balkany. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est une question de durée. Et pour répondre à votre question, je sais qu'il y a une très bonne volonté pour en avoir rencontré certains de la part de ces, soit les agents de police, soit les magistrats du parquet national financier. Moi, ils m'ont quand même souvent laissé comprendre qu'ils étaient débordés, surtout par des affaires extrêmement complexes, et effectivement avec des coopérations nationales, internationales qui prennent beaucoup de temps. Mais je pense que plus de publicité, plus de transparence de la part des organes judiciaires. En matière de terrorisme, on a eu un procureur qui s'est fait connaître en communiquant extrêmement bien sur les attentats. Je sais que ce n'est pas la position du parquet national financier qui veut être en retrait, qui pense que c'est peut-être plus simple aussi de communiquer sur des attentats que sur des affaires financières. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la perception des citoyens n'est pas la même dans ces deux matières sur l'action judiciaire et l'action des autorités publiques. Merci. Oui, clairement, il y a, je crois qu'un nous disait qu'un délai moyen en ce moment des enquêtes pour l'instant, c'est jusqu'à jugement du début à la fin, on est sur environ 8 ans de délai. On peut s'interroger sur le délai de ces enquêtes et sur la communication. C'est clair que ma réaction immédiate, c'est de dire que quand on est en matière de terrorisme, les faits sont advenus. De toute façon, ils ont fait le tour des chaînes d'infos. Donc, quand le procureur, en l'occurrence le procureur Molins, à l'époque, communiquait, c'était surtout un rappel des faits. Et je pense plutôt par précaution pour éviter qu'ils se disent n'importe quoi aussi, puisque l'information est allant tellement vite. On a vu aussi que des fois... d'ailleurs, les derniers récents événements tragiques de Strasbourg ont montré que en fonction de l'heure à laquelle vous appuyez, vous avez un nombre de morts ou de blessés qui changeait, qui allait en augmentant, en diminuant. Donc c'est pas très, ça fait pas sérieux, quoi. Surtout quand les événements sont graves de cette manière. En matière financière, je pense que peut-être que le fait en enquête préliminaire, en tout cas ce que fait le parquet national financier, de pas trop communiquer, sauf à dire qu'une enquête est ouverte, est plutôt un gage d'efficacité dans l'enquête en tant que telle, pour pouvoir saisir les éléments, les informations, en vue justement qu'à la fin que l'affaire soit jugée et bien jugée. Mais clairement, on pourrait sans doute aller plus vite, parce que derrière les magistrats, c'est les policiers que vous avez sans doute, avec lesquels vous avez échangé, et c'est le même nombre d'affaires, si ce n'est même un peu plus, puisque le parquet national financier saisit les enquêteurs policiers, mais les enquêteurs policiers sont saisis par plusieurs parquets, et c'est les mêmes. Donc, sans trop trahir de secrets extraordinaires, on sait qu'il y a une affaire qui va commencer... à être examiné sur Airbus, et les moyens qui sont mis en œuvre du côté
côté PNF, parquet national financier, du côté police, semble complètement sous-dimensionné par rapport à ce que font les Anglais, ce que font les Américains. Clairement, donc c'est, nous, il est là aussi ce sujet d'évaluation de la politique publique, qui est de dire est-ce qu'on met vraiment suffisamment de moyens par rapport aux objectifs qu'on se fixe et aux affichages qu'on a de fermeté en matière de lutte contre la délinquance financière. Donc, au-delà des Panama Papers, vous pensez que les 26 enquêtes, enfin, que les enquêtes ouvertes, a priori, recouvrent le périmètre de ce que vous avez pu révéler. Bon. La question suivante étant, quelles ont été, vous, et c'est la question que j'avais posée aussi à vos collègues du Monde, vos interactions avec la puissance publique? Est-ce que, quand vous avez commencé votre enquête, vous avez questionné les administrations? Est-ce que ça leur a été d'une aide? Est-ce que vous, ça vous a été d'une aide? L'idée étant de se dire, à un moment donné, on s'était dit avec les journalistes du Monde, mais comment se fait-il que les plus grosses affaires ne sortent pas par la puissance publique elle-même, qui pourrait communiquer et dire, nous avons attrapé tel fraudeur, l'enquête a été ouverte et on lui a fait payer X millions d'euros et on s'en félicite, l'État garant de... Voilà, je ne vous fais pas le discours que vous avez pu tenir, mais comment se fait-il que ça vienne quasi exclusivement de la part des médias et des journalistes d'investigation? Je vais vous répondre là-dessus. Moi, j'ai commencé à travailler sur ce qu'on a appelé les rulings, les rescrits fiscaux, en 2011. À l'époque, à part dans les revues de droit fiscal, vous n'en entendiez pas parler du tout. Par contre, les spécialistes du domaine, je ne vais pas parler des avocats fiscalistes, mais que ce soit à l'OCDE ou à la direction de la vérification des grandes entreprises aux impôts, on savait très bien ce qu'était un ruling. On savait très bien qu'au Luxembourg, on pouvait avoir des rulings extrêmement favorables. Pas qu'au Luxembourg, aussi en Irlande, mais le Luxembourg, c'est la porte à côté. Et on le sait d'autant mieux que... certains grands groupes dans lesquels l'État est le premier actionnaire ont eux-mêmes bénéficié de ces rulings et ont été poursuivis plus tard. Donc les outils étaient parfaitement connus des services qui auraient pu s'y intéresser d'un peu plus près. Donc là, c'est clairement une histoire de volonté politique, puisque vous utilisez ces outils pour vos propres entreprises. Donc vous n'allez pas sérieusement enquêter là-dessus. L'OCDE était un peu plus en pointe puisqu'il travaillait depuis de longues années déjà sur l'érosion des bases fiscales. Donc j'ai eu là-bas une oreille plus attentive, mais on m'a fourni là-bas uniquement des exemples de schémas anonymisés, évidemment, en disant, bon voilà, on peut faire ça comme ça, on peut faire ça comme ça. C'est évidemment par le biais des documents qui ont été révélés par les lanceurs d'alerte, d'abord Antoine Deltour, puis Raphaël Allais, par leur masse et par le caractère systématique de ce type d'outils, qu'en fait les choses ont avancé, puisque là, on a mis sur la place publique non seulement le décryptage des schémas fiscaux, mais également leur nombre, les entreprises concernées et les montants que ça permettait d'éviter de payer en impôts. Donc là, c'est pour répondre à votre question, je pense que les voies sont connues à la fois des enquêteurs et de la puissance publique. C'est clairement une affaire de volonté politique d'aller, non pas sur tous les dossiers, mais je pense que de prendre quelques dossiers emblématiques, de les instruire et de les mener à terme et d'en faire, je répéterai ce que disait Benoît, une publicité au bon sens du terme, c'est-à-dire en expliquant pourquoi on poursuit, pourquoi on doit poursuivre ce genre de délit, est important pour tout le monde. Le consentement à l'impôt, on n'en a jamais autant parlé que ces derniers temps. Ça, c'est pourtant quelque chose. Enfin, moi, je travaille là-dessus depuis quelques années. C'est une petite musique qu'on entend monter. Et malheureusement, elle est reprise et elle trouve un écho chez des personnes qui l'utilisent pour d'autres buts. La puissance publique, elle a tous les moyens, même si les enquêteurs ne sont pas multipliables, pour s'emparer de quelques affaires vraiment et de les traiter. Je voudrais insister sur un point. On parle du fraudeur final ou de celui qui a bénéficié, mais je pense que s'attaquer aux facilitateurs, qu'ils soient grandes banques, cabinets d'avocats,
conseil, c'est là le point faible. C'est parce que vous avez des facilitateurs qui permettent ce genre de choses que vous prenez 10 longueurs d'avance sur les enquêteurs et sur les inspecteurs des impôts. C'est eux qui vont permettre de créer des sociétés en un tour de main. Voilà. Je reprends la question de Hugo tout à l'heure. Pour revenir sur l'affaire de LGI, sur Kering, vous avez dit donc que la Suisse, enfin que l'Italie engageait des poursuites. Ce n'était pas le cas de la France. Sur un sujet comme celui-là, il y a eu un échange entre vous et les autorités françaises. Alors, comme vous l'a dit Anne-Michel du Monde, nous ne sommes ni auxiliaires de police ni auxiliaires de justice, évidemment, mais bien sûr, quand on fait cette enquête, on sollicite le PNF pour savoir si il y a une ouverture d'information judiciaire ou en tout cas une enquête préliminaire qui est lancée. Et on a reposé la question tout à fait récemment, ce matin. Il n'y a pas d'enquête préliminaire lancée. On fait confiance à la justice, enfin le PNF nous dit qu'il fait confiance à la justice italienne et que la justice française collaborera pleinement à ce dossier, mais qu'il n'y aura pas a priori d'enquête lancée en France. Nous avons évidemment tous le plus grand respect pour le travail du parquet national financier. Il fait œuvre d'utilité publique. Mais là, en l'espèce, dans ce dossier, on est surpris, compte tenu des montants, que... alors peut-être y a-t-il eu, comme Emmanuel Macron l'a affirmé à Edwy Plenel lorsque celui-ci l'interrogeait sur cette question, qu'un contrôle fiscal allait peut-être être lancé, mais on est là dans le cadre du secret fiscal, donc il est absolument impossible de savoir si tel est le cas ou non. Mais par contre, du côté judiciaire, il n'y a rien. Et je pense qu'il aurait été intéressant de savoir s'il s'agissait là d'optimisation fiscale agressive ou non, à chacun d'en juger, ou d'évasion fiscale. Auquel cas, s'il s'agit d'évasion fiscale, bien sûr, ce sont des impôts qui auraient dû rentrer en France. Ce n'est pas à nous, et vous l'avez dit, nous n'apportons que des éléments de preuve. On essaie évidemment de documenter tout ce qu'on fait, parce que nous-mêmes, nous pouvons être soumis à la diffamation. Donc on est quand même très prudent sur ce qu'on sort, et c'est normal. Je pense qu'il aurait été intéressant que, effectivement, on puisse aller au bout de ce dossier. Voilà. Et là, il y a réellement, de ma part, un étonnement et une surprise. Je voudrais revenir effectivement sur la question de la publicité des enquêtes et de votre question sur le fait que les lanceurs d'alerte, s'adressent plutôt à la presse qu'à la justice. Mais je pense qu'il y a, on est à la fois dans dans le savoir-faire et le faire savoir. Je pense que si la puissance publique, si les autorités effectivement marquaient de manière assez la part du parquet national financier, des comptes rendus, des points presse réguliers sur les affaires, peut-être qu'il y aurait effectivement le sentiment que une écoute tout à fait attentive leur serait accordée. Après, les lanceurs d'alerte, ils obéissent à des motivations qui sont extrêmement, extrêmement différentes. Ça peut être des motivations qui sont d'ordre financier, ça peut être des motivations qui sont extrêmement nobles, à savoir l'intérêt public, mais on a affaire à des gens qui, effectivement... Bon, et puis par ailleurs, ça a été rappelé lors de l'audition de nos confrères du Monde, celui qui se faisait appeler John Doe dans les Panama Papers, je crois... vendu au départ une partie de ces données aux autorités allemandes. Donc voilà. Donc il y a aussi des moyens de récupérer l'information qu'en France on peut peut-être juger inappropriée, mais qui pourrait être une piste de réflexion. Donc juste de ce point de vue, avec la sensibilité journalistique que vous représentez, la question de la rémunération de l'information, qui est quand même liée à celle du statut qu'on donne financier ou qu'on donne au lanceur d'alerte dans ce qui peut le protéger, c'est quelque chose que vous estimez efficace, déontologique. Vous parlez pour les journalistes ou pour les autorités? Je ne parle pas pour les journalistes.
Non, non, mais je veux dire... On pourrait peut-être imaginer, mais... Non, non, mais parce qu'il y a des pays où les informateurs sont parfois rémunérés par la presse, hein, ce qui n'est évidemment pas le cas en France. Mais en revanche, pour le cas de John Doe, par exemple, sur les Panama Papers, personne ne sait si c'est le même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné des données à la presse et il y a quelqu'un qui les vend aux autorités. Les données sont les mêmes. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que c'est un groupe? Même nous ne le savons pas. Moi, j'ai jamais eu de problème déontologique avec les intentions des lanceurs d'alerte. Parce que je me dis, au final, l'important, c'est l'intérêt public de la chose révélée. Évidemment, il ne faut pas être manipulé. Évidemment, il faut tout vérifier et s'assurer que ce qu'on va révéler est d'importance, d'intérêt général et d'intérêt public. Mais il est évident que les intentions des lanceurs d'alerte sont très diverses. Et le lanceur d'alerte chimiquement pur est rare. Donc, c'est souvent des histoires, des vengeances. Je pense que dans l'affaire Cahuzac, bon, je ne sais pas d'où vient l'info, mais je pense qu'il y a aussi des histoires familiales au milieu, etc. Donc moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Cela dit, il y a une évolution de la législation après les Panama Papers, puisque désormais, en matière fiscale, on peut également, comme pour le trafic de drogue, rémunérer aussi des informateurs. Donc ça a quand même évolué. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème déontologique pour moi. Je voulais rebondir juste sur votre question précédente, sur comment expliquer que c'est souvent à l'initiative de la presse sur les affaires financières que des enquêtes arrivent et non pas d'initiative des autorités judiciaires. J'en reviens un peu à la même chose. Et je pense qu'aller chercher d'autres dossiers nouveaux pendant qu'on en a encore plein à traiter et qui sont, eux, médiatiques, c'est peut-être un peu compliqué parce que évidemment ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Mais nous, en tout cas, ce qu'on fait, finalement, il y a une sorte de travail de veille, un peu. C'est-à-dire que quand Edouard, effectivement, s'intéresse au tax ruling, il se dit, je dois faire un sujet sur l'optimisation fiscale, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quoi? Quel est le prochain moyen de frauder? En l'occurrence, il est déjà bien installé. Mais... Donc, il y a une sorte de travail de veille. Et nous, c'est très artisanal, ce qu'on fait. Pour vous donner un exemple, je pense que les sociétés offshore, c'est un peu du passé, déjà, évidemment. Mais même quand on sort les Panama Papers, c'est déjà un peu du passé, puisque la fin du secret bancaire est en route. Donc, évidemment qu'il y a des nouveaux moyens de frauder. Et nous, on fait des choses toutes bêtes. On se fait passer pour un client français qui veut planquer son pognon à l'étranger. Et on va dans les cabinets fiscaux en Suisse ou au Luxembourg. On avait fait un qui était placé en Belgique, mais dans le siège social est à l'île Maurice. Et en fait, on voit très bien ce qui remonte. Donc aujourd'hui, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont ouvrir des sociétés offshore. Par contre, on va chercher des prête-noms. C'est-à-dire, on va chercher quelqu'un qui, pour vous, va tenir votre argent. Il va être officiellement titulaire de votre compte au Luxembourg. Par contre, ça sera peut-être un Français, mais il ne vivra pas en France. Il ne sera pas résident fiscal français. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail de veille. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient là en permanence, faire un petit travail de fourmi comme ça, et pour aller rencontrer des gens, pour aller rencontrer des sources, pour connaître le milieu, pour savoir où sont les nouveaux moyens de frauder. Voilà. Et puis nous, on est quand même très souvent, mais je pense que c'est le cas pour le parquet national financier aussi, souvent les plus grosses affaires sortent grâce à des sources qui viennent nous voir. Voilà. Et je pense que c'est aussi le cas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de dénonciations auprès des autorités financières, judiciaires. Sur l'aspect de la rémunération, moi j'ai passé quelques années aux États-Unis et ils sont très pragmatiques là-bas par rapport à ça. Il y a une valeur qui est accordée à l'information. Vous prenez le cas de Brad Birkenfeld pour UBS, qui n'est pas un lanceur d'alerte chimiquement pur. On pourrait même le considérer comme un repenti puisqu'il travaillait lui-même pour UBS et pour faire du racolage de clients américains pour le compte de la banque suisse. Donc il a fait pour ça 30 mois de prison. Il a aussi touché 75 millions de dollars de récompense, tout simplement parce que c'est un pourcentage des sommes qu'il a permis de ramener dans les caisses de l'État. Alors si on considère... Moi, je suis assez ouvert par rapport à ça. Je dis qu'il faut être pragmatique. Non, c'est 75 net d'impôts. Parce que, voilà...
Parce que je crois qu'il a touché 104 au début, mais en fait, il a touché vraiment un chèque de, enfin, 75 millions de dollars. Impôts ou charges, je ne sais plus, mais voilà. Je pense que si vous considérez cette délinquance-là comme une piraterie, il faut se souvenir de la manière dont on a éradiqué la piraterie, c'est-à-dire qu'on a permis à des gens d'aller combattre les pirates pour le compte des États en leur laissant une partie de la part de prise. Donc, c'est pas très nouveau. Et là, je parle vraiment du côté des autorités sur la manière de considérer la rémunération ou pas. Voilà. Il y a des pays où les outils de rémunération existent et fonctionnent. Juste ajouter sur les moyens, pour parler de notre profession, certains considèrent que lorsqu'on se fait passer pour un client potentiel, pour un acheteur, pour essayer de comprendre comment ça se passe et aller voir les interlocuteurs dont on veut dénoncer les pratiques, certains de nos confrères trouvent qu'on est complètement en contradiction avec la charte de déontologie des journalistes. Nous l'assumons parce que nous estimons que ce qu'on va révéler est d'intérêt public et mérite effectivement qu'on utilise ces moyens-là. Et qui s'accompagne pour nous, puisque nous faisons de la télé, de caméras cachées, bien sûr. Utilisons que quand on n'a pas d'autres moyens d'avoir l'information. En tout cas, c'est, je pense que c'est la ligne à Cache Investigation. Et puis avec toute l'anonymisation nécessaire quand on en a besoin. Sur la question de la rémunération, et pour rebondir sur une autre question que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est les lanceurs d'alerte. Effectivement, le cas opposé à celui que tu viens de citer avec UBS, c'est notamment Raphaël Allais et Antoine Deltour. Raphaël Allais, que je connais un peu mieux parce que j'ai consacré un reportage sur lui. Je pense que son action, comme celle d'Antoine Deltour, a permis de ramener beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, puisqu'il y a eu des redressements fiscaux, etc. Alors peut-être qu'il y a des recours et que ce n'est peut-être pas encore complètement définitif, mais au final, ça rapportera sûrement beaucoup d'argent. Et en revanche, lui, concrètement pour lui, ça lui a coûté aussi beaucoup d'argent, puisqu'il a dû assumer ses frais de justice. Donc il y a eu effectivement, avec la loi Sapin 2, un cadre, une définition qui a été posée sur le lanceur d'alerte, qui n'existait, je crois, qu'au niveau de la Cour européenne de justice, si je ne me trompe pas. Donc, il y a effectivement des avancées. En revanche, sur le thème, sur la question de l'argent qu'ils vont devoir payer derrière pour justement faire face à des poursuites, etc. Et ils ont, Raphaël Allais, il a fait une cagnotte, litchi ou je ne sais pas quelle. Et c'est comme ça qu'il a pu payer ses frais. Ces frais d'avocat. Donc ça, c'est une question. Je crois que ça avait été évoqué dans la loi. Je crois que le défenseur des droits, sur la question des défenseurs des droits, il y avait, je sais plus pour quelle raison exactement, ça a été retiré à la dernière minute. Mais en tout cas, il n'y a pas de dette financière possible pour les lanceurs d'alerte. Et c'est évidemment très important pour eux. Merci. Un peu plus généralement. Nous sommes ici pour faire des analyses, regarder l'efficacité, aussi faire des recommandations. Est-ce que, du point de vue de l'organisation des pouvoirs publics, leur coordination, leur organisation, leur complexité, vous avez des remarques qui nous seraient utiles? On a essayé de comprendre l'intégralité du biotope du domaine. Il est assez complexe. Il est d'ailleurs en croissance, puisqu'il y a maintenant une brigade fiscale, par exemple. Tout cet environnement, pour vous, bon, à part, vous avez cité le PNF à plusieurs reprises, c'est quand même votre interlocuteur principal, mais pour le reste, vous n'avez pas de perception? Interlocuteur officiel, hein, voilà, quand il s'exprime, c'est bien sûr, nous sommes journalistes, qu'en est-il? Moi, je ne sais pas, peut-être que effectivement, tu parlais d'une meilleure coordination entre les services. Moi, je ne prétendrai pas porter un jugement sur la manière dont fonctionnent les différents services. Pour nous, il est souvent difficile de confirmer des informations auprès des pouvoirs publics. Alors, il y a bien sûr toujours le petit jeu du « je vous pose une question, vous répondez par oui ou par non ». Mais bien souvent, vous demandiez comment on procédait pendant les enquêtes. Bon, on fait appel aussi parfois à d'anciens des services pour expertiser
à des gens de l'OCDE, à des ONG qui travaillent sur ces sujets pour avoir leur regard, parce qu'ils travaillent sur ces questions, et puis parce qu'ils vont aussi nous aiguiller sur les sujets. Mais il est très rare d'avoir une information officielle pendant les enquêtes de la part des différents services. Je reprends à côté d'autres questions, mais je pense que c'était important de l'ajouter. J'essayais un peu de me documenter en amont de cette audition pour voir un peu où on était justement sur ce que vous appelez le biotope. Et c'est assez fascinant de voir que bon, on va créer des nouveaux services. Et si vous essayez de lire un peu la littérature, la seule qu'on puisse trouver, nous, c'est de la littérature syndicale, spécialisée selon... c'est extrêmement complexe. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'imagine que en termes de précaré, de compétences, comment est-ce que vous travaillez avec le voisin, est-ce que vous échangez, je pense que s'il y a une marge de progression, elle doit être là-dedans. Après, s'il s'agit de procédures extrêmement normées, officielles, on ne peut pas faire n'importe quoi, et j'en suis bien conscient, mais c'est plus quelque chose dans l'esprit de comment ces gens-là peuvent vraiment travailler ensemble. On a fait le parallèle à plusieurs reprises pendant cette audition avec la lutte contre le terrorisme. L'année 2015 a montré que, contrairement à ce qui avait été dit au début, non seulement il y avait eu des failles, mais il y avait des choses qui n'avaient pas été, qui ne s'est pas passé correctement au sein des services. Il y a eu un retour d'expérience là-dessus. Donc on voit où est-ce que ça peut pêcher quand un service ne travaille pas main dans la main avec un autre. Je pense que sur cette matière-là, encore plus, quoi, qui est extrêmement technique, qui va vous demander très très vite d'avoir accès peut-être à des compétences que vous n'avez pas, s'il n'y a pas des manières de fonctionner, d'avoir accès à des expertises qu'un autre service peut vous apporter de manière très rapide, vous allez vous engluer et vous n'allez pas avancer, parce que le camp d'en face, lui, avance très très vite, dispose d'ailleurs très souvent de l'aide et de la technicité d'anciens agents du fisc qui sont passés dans le camp d'en face. Voilà, moi je suis bien conscient de la difficulté du travail pour ces services-là. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut vraiment travailler ensemble, parce que nous on n'aurait pas fait ce qu'on a fait sans la coopération, parce qu'on n'a pas la technicité, mais vous allez pouvoir la retrouver chez quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas et en qui vous devez faire confiance d'un seul coup, quoi. C'est quand même une révolution, hein, le journalisme collaboratif. Le journalisme d'investigation est un individu particulièrement individualiste qui ne partage pas ses informations. Donc mettre en commun son travail et dire, voilà, je travaille sur cette piste, j'ai de nouveaux éléments, je les mets à disposition sur un grand hub, c'est quand même quelque chose qui est vraiment aux antipodes de ce qu'était notre culture. Et qui a fonctionné. Et qui a fonctionné en respectant l'anonymat, la confidentialité pendant des mois sur les sujets. Donc, je pense que la volonté permet effectivement de briser beaucoup de barrières, parce que le résultat est au rendez-vous. J'ai d'abord une remarque ou peut-être une information à vous donner sur la coopération judiciaire, de ce qu'on en a retenu jusqu'à présent, et puis deux questionnements sur la coopération judiciaire. C'est clair que comme tout est normé et on est dans le cadre du droit et de la légalité, les réquisitions internationales, ça dépend le pays d'en face s'il veut bien la donner, et on peut pas le contraindre à un délai. On va pas lui envoyer l'armée pour dire vous n'avez pas respecté le délai ou je sais pas quoi. Et bon, après, on pourrait imaginer avec certains pays qui coopèrent pas avoir d'autres mesures de rétorsion, mais en général, ce sont des pays qui sont considérés plutôt comme alliés et dont on attend la réponse, qui fait que la longueur des enquêtes, souvent, dans ce qu'on nous raconte en matière financière, est surtout et essentiellement due à ces délais pour obtenir des documents à l'international, qui ne sont pas forcément dus de la mauvaise volonté des autres. Des fois, ça peut arriver, mais pas essentiellement de la mauvaise volonté. Et donc là, c'est clair qu'il y a un sujet aussi peut-être culturel, là, de la coopération plus directe, plus inclusive, mais il faut que les pays aient la même vision politique. C'est-à-dire, quand vous êtes sur des services judiciaires, quand même, il y a une indépendance de la justice. C'est quand même le Parlement qui vote les budgets, etc., avec des gens qui rendent des comptes à l'autorité politique à la fin. Et les parlements, ça veut dire qu'il faut que les parlements, les gouvernements,
soit d'accord sur les mêmes objectifs pour avoir des choses inclusives. Je pense que c'est en train d'un peu de monter en puissance. Je ne sais pas ce que va donner la création d'un parquet européen. J'espère qu'il y aura une dimension financière dans ce futur parquet européen. Je n'en sais rien, je n'ai pas creusé le sujet, mais on voit effectivement que si on ne met pas les moyens, ça peut être très très long. Et puis chaque pays a ses procédures, hein, y compris pour les étrangers qui mènent des enquêtes sur des choses qui se passent en France. Avec notre réglementation sur les données personnelles, la CNIL, etc., vous ne pouvez pas avoir des documents comme ça en claquant des doigts. Il y a des procédures. En plus, on peut vous renvoyer au secret des affaires. Donc, c'est pas si simple que ça. Ça, c'est pour l'aspect coopération judiciaire et policière. En tout cas, judiciaire au sens à la fois les officiers de police judiciaire et les magistrats. Sur les intermédiaires, il y a eu une évolution dans la dernière loi sur la lutte contre la fraude fiscale. Quel est votre avis sur ce que propose cette loi, qui est de pénaliser les intermédiaires, je crois, à hauteur de 25% du profit réalisé ou quelque chose comme ça, si je ne dis pas trop de bêtises, me semble-t-il, pour avoir suivi un peu le texte. Et dernier élément, on a pu constater, parce que j'ai posé la question, que les services de police chargés des enquêtes faisait assez peu, voire extrêmement peu, d'infiltration en termes de méthode d'enquête, moyen d'enquête. Est-ce que vous pensez que c'est un tort? Est-ce que pour vous, l'infiltration, c'est quelque chose d'essentiel? Ou de ce que vous pouvez voir des autres pays, ou des autres journalistes dans les autres pays avec lesquels vous avez pu coopérer, collaborer? Sur les intermédiaires, je pense qu'effectivement c'est une très bonne chose parce que sans les intermédiaires, il n'y a pas de possibilité de fraude et de blanchiment, notamment sur le blanchiment d'argent. Le problème, c'est que les intermédiaires ne sont pas sur le sol français. Je pense qu'ils ne le sont plus depuis très longtemps. En revanche, il suffit d'aller à Genève. Il suffit d'aller au Luxembourg et souvent ils sont juste à côté de la gare, dans le quartier de la gare ou pas très loin. Donc la difficulté, c'est ça. C'est que nous, on a beaucoup pointé du doigt dans nos travaux les intermédiaires parce que c'est un chaînon extrêmement important. Mais je suis pas certain que sur le terrain des enquêtes judiciaires, ça aboutira parce que ce ne sont pas des ressortissants français et que je pense que on a beaucoup de mal parce que ce qu'ils font en Suisse n'est pas forcément illégal. La question de l'évitement de l'impôt en Suisse, c'est un concept qui est très différent. C'est en train de changer petit à petit, mais qui est très différent. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément considéré comme mal. Il faut être assez clair là-dessus. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les intermédiaires, mais je pense que la difficulté est celle-ci, c'est que ça se passe sur les sols étrangers. Et sur l'autre point de votre question, c'était sur l'infiltration. Alors, oui, pour nous, ça marche très bien, en tout cas. Non, mais on a pu très facilement trouver, en allant sur Internet et en un clic, pouvoir voir comment on pouvait blanchir de l'argent depuis le sol français avec des personnes qui venaient de Bruxelles, en l'occurrence. Et un système de compensation pour pouvoir mettre de l'argent sur les comptes offshore, ça a été assez facile, quoi. Donc l'infiltration, elle est toujours pour nous généralement payante. C'est quelque chose qui marche, quoi. Ça permet de démontrer très facilement. Juste un point et dans les Paradise Papers qu'a traité Edouard, on a vu un cabinet international qui était très actif dans un certain nombre de montages. Sans dévoiler le contenu de la prochaine émission qui sera diffusée, on l'a retrouvé vaillant sur un autre montage, on va dire d'optimisation fiscale qui concerne une entreprise française. Donc, je pense que quel que soit, alors évidemment Mossack Fonseca, lui, n'a pas résisté à la charge des Panama Papers, mais d'autres, par contre, continuent à prospérer.
pour un peu, juste un tout petit peu élargir le sujet sur la délinquance financière qui revêt plusieurs aspects. Souvent, d'ailleurs, la délinquance financière, il y a toujours une composante financière, y compris dans la criminalité organisée. Là, on s'est concentré justement sur des affaires qui touchent directement des gens qui veulent planquer des capitaux ou éventuellement des systèmes de blanchiment, en tout cas d'évitement de l'impôt. Est-ce que, pour vous, il y a aussi un sujet qui est plus large sur la question de la TVA, le travail dissimulé, etc. Est-ce que vous, dans les enquêtes que vous avez pu mener, vous avez pu voir des circuits empruntés en commun par plusieurs types de délinquances qui ont des ramifications financières ? Pour revenir sur les Paradise Papers, on a évoqué oui, justement la fraude à la TVA pour l'achat des jets par l'île de Man et les yachts. Quoi. Donc là, on n'est pas. Enfin, c'est une fraude à la TVA et qui était importante, qui a été niée longtemps par les autorités de l'île de Man, mais qui est réelle. L'île de Man est devenue, en moins de 10 ans, je crois, le premier certificateur d'avion de toute l'Europe. Enfin, c'est colossal. Et c'est clairement pour des raisons de fraude à la TVA. Je dis bien fraude à la TVA, puisque les montages qui sont proposés là-bas, nommément à l'île de Man, mais qui sont élaborés ailleurs, sont des montages qui servent vraiment à ne pas payer la TVA. Sur d'autres impôts, je n'ai rien d'autre à dire. Rien de plus, mais effectivement, le sujet de la TVA, je pense, avec notamment les systèmes de carrousel qui ont peut-être été expliqués, dont je ne suis pas spécialiste, mais représente aussi une partie importante. Personne n'est spécialiste. Oui, bien sûr. Ce sont des échos qu'on a, effectivement, que c'est une partie importante aussi de l'argent qui peut être perdu par l'État. Je pense qu'effectivement, on a conscience que pour les administrations douanes et autres qui travaillent sur ces questions, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, les outils informatiques permettent très facilement de créer une société, d'importer des produits, effectivement de ne pas déclarer la TVA. Donc oui, on a un peu l'impression qu'on est sur un bateau qui avec des fuites d'eau et que voilà, on en bouche une et que y en a une qui apparaît quoi. Mais je pense que c'est vous l'avez compris en termes de priorité publique, c'est essentiel aujourd'hui. Juste ajouter quelque chose, je ne sais pas si c'était évoqué dans les précédentes auditions, mais une des avancées des dernières années, c'est l'échange automatique d'informations. Et en septembre dernier, je crois que c'est Le Temps en Suisse qui a rendu public un peu les chiffres suisses, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'ils ont reçues, celles qu'ils ont données, et puis les poursuites qu'ils ont pu diligenter sur la base de ces informations. Et ils ont rendu public le fait que parmi les États qui n'avaient pas fourni les informations à la Suisse, figurait la France. Donc pour le coup, il n'y a pas eu d'échange avec les Suisses, donc on n'a pas reçu. Moi, je me suis un peu renseigné, parce que la raison avancée par les Français aux Suisses, c'était qu'il y avait des problèmes techniques. Apparemment, ce serait la vraie raison, c'est-à-dire que techniquement, on est incapable de leur fournir cela. Est-ce que vous, ça vous a été confirmé ? Et comment est-ce possible que techniquement on ne soit pas capable, alors que quasiment tous les autres pays au monde ont été capables de fournir ces informations. Deuxièmement, on est quand même un pays qui a pour fâcheuse habitude d'aller faire la morale à peu près à tout le monde, voir qu'on n'est pas capable dans la suite. Enfin, pour le coup, l'échange automatique d'informations, c'est une conséquence vraiment des affaires qu'on a révélées. Et qu'on ne soit pas capable d'en profiter, c'est assez surprenant. Vous, ça vous a été confirmé ? Oui, on me dit dans l'oreillette que la DGFiP pourrait annoncer que c'était fait désormais. Voilà, tant mieux. Tant mieux, ça évitera qu'on ait l'air bête en la matière, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on soit plutôt exemplaire. Est-ce que moi j'ai deux petites questions, je ne sais pas si vous en aurez d'autres, mais après on va peut-être poser les trois d'un coup. Du coup,
Est-ce que pour vous, les crypto-monnaies, c'est la fraude de demain? C'est ce qui permet de... Ou est-ce que vous êtes intéressé à cette dimension-là de la potentielle fraude pour les circuits de blanchiment ou d'évitement de l'impôt? Je vous glisse un sujet comme ça. Si vous voulez mener l'enquête. et puis ça y est, j'ai oublié ma deuxième question. Donc Jacques, vas-y, tu peux y aller. Moi, c'est sur le rapport à l'opinion. Vous avez beaucoup insisté sur un terrain qui vous est familier, qui est celui de rendre public les décisions, les enquêtes de justice en cours. On n'a pas, enfin moi, j'ai pas eu l'occasion de regarder effectivement les scores Audimat ou les tirages par rapport à ce que vous avez fait. Comme beaucoup de Français, j'ai suivi énormément régulièrement de reportages de cash investigation sur des sujets qui ont marqué les autres. Je pense les conditions de travail, par exemple. Mais vous pensez vraiment que, au-delà du contexte des trois derniers mois, ces sujets financiers emportent un intérêt durable? Je le dis parce qu'en réalité, si les politiques et si les procureurs généraux privilégient les crimes et la délinquance contre les personnes, c'est pour aussi des raisons d'opinion. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. En disant, effectivement, il y a plus de demandes, il y a plus d'intérêt, il y a plus de relais, il y a plus d'écoute, il y a plus de sensibilité du public à, je dirais, la résolution d'un crime avéré que d'une fraude potentielle. Donc là, vous nous dites à peu près l'inverse. C'est ma dernière question. Je ne hiérarchiserai pas, évidemment, l'intérêt des différentes affaires, mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a été extrêmement, extrêmement surpris. Je peux me permettre de révéler une anecdote. L'avant-veille de la révélation des Panama Papers, on terminait le montage et il y a eu un échange entre Benoît et Edouard. Et Benoît se dit à qui ça va intéresser. Et Edouard a répondu à Montélimar en référence à l'affaire Otajon, ça devrait intéresser. Vous voyez que nous n'est prophète en la matière et on s'est vraiment posé la question, est-ce que ça va, est-ce que ces questions qui sont des questions sur les sociétés offshore, des montages complexes, peuvent intéresser nos concitoyens, et ils intéressent nos concitoyens. Et on a fait différents sujets. On ne les fait pas parce que, pour faire l'audience, on les fait parce que, de notre point de vue, et je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, on pense que réellement, c'est aujourd'hui une des clés de voûte de nos démocraties qui sont vraiment chahutées, et que derrière tout ça, il y a le consentement à l'impôt. On en parle beaucoup ces derniers temps, mais je pense que ça parle de questions de justice fiscale, d'égalité devant l'impôt. Et je pense que nos concitoyens sont très attentifs à ça. Et oui, je pense qu'effectivement, il faudrait davantage communiquer sur ces questions-là, et pas uniquement dans ce processus qui est de dire, voilà, on révèle une affaire, derrière émotion, ensuite prise de parole pour dire c'est terminé, ça s'arrête, et hop, les choses reviennent. On peut aussi nous balayer devant notre porte et dire qu'on devrait plus faire ce travail de suivi, mais je pense qu'effectivement, plus de communication aussi permettrait peut-être d'enclencher un cercle vertueux qui consiste effectivement à dire que voilà, les choses avancent, peut-être pas telles que aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais des choses se passent. Sur les crypto-monnaies, on n'a pas du tout travaillé dessus. C'est un champ extrêmement compliqué. Effectivement, on sent qu'il y a quelque chose, je pense que c'est évident. Pour le coup, ça, je pense qu'on aurait peut-être un peu de mal à le diffuser en prime time sur les grandes chaînes de services publics, parce que effectivement, c'est peut-être encore un peu technique. Mais en tout cas, on a nous, l'émission, elle est beaucoup née aussi, elle a beaucoup été connue, Cash Investigation, grâce à ces thèmes de la délinquance financière. Et en fait, on a découvert ça en avançant. On a été surpris nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois qu'on est allé en prime time, puisqu'au début, c'était une émission de deuxième partie de soirée, c'était justement sur l'affaire Falciani, Edouard, qui l'a traité, et sur si je ne me trompe pas, les suites des LuxLeaks. Et on a fait presque 15% d'audience, qui est un très bon score.
Même sur ce type d'émission, c'est extrêmement rare. Et on a des émissions qui, parmi celles qui ont fait le plus d'audience, sont celles qui sont consacrées à la fraude, délinquance financière, à la fraude fiscale. Non, celle sur les conditions de travail est un peu à part, effectivement. Pardon. Non, celle sur les conditions de travail, effectivement, a été l'émission qui a été le plus regardée. Et en linéaire et en délinéarisé et sur YouTube. Oui, c'est effectivement l'émission qui a eu le plus d'écho. Mais de manière, voilà, on a trois très grands champs qu'on explore, le social, l'environnement et évidemment les questions de fiscalité. Et les questions de fiscalité intéressent les citoyens. Et on tombe dessus assez régulièrement, on tombe sur des montages extrêmement régulièrement. Mission sur le caractère un peu abusif de l'appellation d'investissement social et éthique. Vous rappelez, ça date de quelques années. Ça avait marché, ça, ou pas ? C'était pas... En fait, c'était sur... Oui, ethical washing, je ne sais pas, mais enfin, tout ce qui était investissement social responsable. Oui. Vous, effectivement, je me rappelle, vous aviez débarqué dans une assemblée générale d'actionnaires, etc. Enfin, vous aviez, en disant, bon, donc, le côté greenwashing de certaines annonces d'établissements sur la façon dont ils gèrent leurs investissements diétiques. Vous l'avez fait avec JB aussi. Oui, ça a été fait par... Alors, en l'occurrence, je pense que vous faites référence à une qui était en deuxième partie de soirée, un vendredi soir, donc on a du mal voilà. Non, mais c'est-à-dire que effectivement les audiences ne sont pas. À l'époque, c'était difficile encore de voir, mais quand on a fait une émission sur le climat qui était quand même pas mal sur les promesses des grandes entreprises sur la matière et le peu de réalité derrière, même si c'est pas toujours le cas, parce que elle avait très bien marché en audience, je crois. Mais sur les questions de délinquance financière ou même sur les actionnaires, enfin sur tout ce qui concerne effectivement les plus puissants, les passe-droits, les justices à deux vitesses, la justice à deux vitesses, etc. Il y a vraiment une écoute. On est sur des scores qui sont parfois à 4 millions de téléspectateurs. C'est considérable pour une émission d'information, en fait. Donc, et les gens nous en parlent derrière. Donc, moi, je pense qu'il y a... Vous savez, c'est un peu comme en télé. Hein, en télé, si on écoute... souvent les chaînes ou les gens qui veulent des programmes, ils demandent un peu toujours la même chose. Et effectivement, on a eu pendant des années des sujets sur le trafic de drogue, etc., ou sur les crimes de droit commun, etc., parce qu'on pense que ça marche. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, alors peut-être parce qu'il y avait une évolution aussi de l'opinion publique, mais que ça, il y avait vraiment une écoute et une attente. Il y a un véritable intérêt des citoyens sur ces questions-là, et je crois de comprendre comment ça fonctionne, parce que ce sont quand même des mécanismes complexes. Alors on fait le pari de tenter de les expliquer, à une heure de grande écoute en prime time. Voilà, on utilise parfois des choses que certains n'apprécient pas. Savoir l'humour, mais le but, c'est aussi de faire comprendre, de démonter certains mécanismes pour que chacun puisse mieux comprendre ce qui peut se jouer. Bien, il nous reste à vous remercier. Je pense que nous avons été au bout de ce sujet. C'était une audition très intéressante. On a effectivement des points de vue qui sont, je dirais, assez clairs. Vous représentez à quelque part l'opinion, vous attendez des résultats, vous êtes très exigeant vis-à-vis des pouvoirs publics, vous avez raison, hein, on ne le nie pas. On a bien pris note de vos recommandations, et puis on espère que ça permettra d'améliorer le rapport. Merci beaucoup.